Luc, bonjour. Eh bien, bonjour, Héloïse. C'est cela. Est-ce que vous êtes content d'être au festival, tout simplement ? Ah bah, je suis super content d'être là. Il y a une excellente ambiance et je suis très heureux de parrainer le festival et de la confiance que me fait Jean-Christophe Dorn et son groupe Notaverne qui organise le festival. Et c'est vraiment un chouette moment. Je suis très fier d'être là. Donc nous avons la chance d'avoir au festival un forgeron et nous allons aller lui poser quelques questions et observer la fabrication d'un clou. Bonjour, avec Lucas on va forger un clou en utilisant un outil traditionnel de cloutier. Le cloutier c'est le forgeron spécialisé dans la fabrication des clous et cet outil on le voit ici, c'est un tas de cloutiers. Voilà. Donc le tas de cloutiers il est composé d'une petite enclume ici, d'une cloutière, vous allez voir à quoi elle sert, et d'une tranche, voilà. Donc ces trois outils, ils sont réunis sur un bio, hein, sur un tas en fonte, pour permettre au cloutier de fabriquer un clou. Et le seul outil que le cloutier tient dans sa main, c'est le marteau, voilà. C'est le seul outil nécessaire à la réalisation d'un clou, grâce à cette cloutière. On y va ? Remets-toi où tu étais, hein, Luca. Donc je vais passer juste là. Allez. Là on est bien chaud. Alors on va venir travailler sur la petite enclume ici. Un coup chacun. Tu peux le tenir à deux mains si tu veux le marteau. Hein. Tape au même endroit que moi. Par contre, enlève ta tête parce que sinon tu risques de prendre un coup. Voilà, déjà on fait la pointe du clou. Voilà. Attends, on va le redresser. Voilà, déjà on commence par la pointe du clou. Une fois qu'on a la pointe, on va... Voilà, tu peux arrêter. Donc on a, premièrement, donc on a la pointe ici. Cette pointe, on va maintenant la rallonger et former le talon. Le talon qui va permettre ensuite, par la suite, de former la tête du clou. Et pour le moment, c'est trop froid, donc on rechauffe. Lucas. Allez, on y retourne. Donc maintenant, on rallonge. Donc on forme bien le talon au départ de la pointe. Hein. Vous voyez, on commence à voir le petit talon là qui se forme. Voilà, donc on a une petite pointe carrée. Cette pointe carrée, elle va venir par la suite rentrer dans le trou de la cloutière ici. D'abord, on va couper. Hop ! Je vais venir couper la tête du clou. Juste ce qu'il faut pour chauffer la pointe, enfin la tête du clou, sans la perdre dans le feu. Voilà, elle reste juste accrochée à un tout petit peu de matière, comme ça on n'a pas besoin de pince pour la tenir dans le feu. Donc maintenant on va bien chauffer, on va rentrer la fameuse pointe dans le trou de la cloutière et venir frapper la tête pour la former. Si on a un petit moment, on fera des petits décors dessus. Voilà. Alors on y va. Attention.
T'es prêt, Lucas? Les premiers coups, c'est moi. Hein. Je suis bien centré. Bien centré là. Hop! La tête dans le feu, dans la coutière, pardon. Attention, allez, c'est parti. Un coup chacun. Vas-y, frappe. Allez, allez, sinon ça refroidit. Allez, des petits coups rapides maintenant, en tournant autour. Moins fort, mais plus rapide. Voilà. Allez, tout seul. Hop. Et maintenant, je sais pas, on va venir faire... éparpiller un peu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va faire une petite allez, une petite tête. On va faire un petit visage. Là, il va avoir un œil qui fend le bois et l'autre qui l'empile. Hein. Il louche. Et ensuite, s'il veut bien sortir. Ah, il n'a pas sauté dans le chou. Et voilà. Le clou. Attends, je vais le redresser un petit peu. Alors le clou, tel qu'on vient de le faire avec Luca, hein, là on a pris le temps, on a mis 3 chauffes je crois, ou 4 chauffes. Un cloutier, il est capable d'en faire un par chauffe, un clou comme ça, voilà. Donc en ayant plusieurs barres dans le feu, ça peut aller très très vite, voilà. Et juste à 700 clous par jour, imaginez-vous. Voilà. 700 clous par jour, de faire 700 clous, il faut y aller. Et là, tous les jours, souvent toute la semaine, sauf le dimanche. Donc ces clous-là, on ne va pas les planter directement dans une porte, hein, dans du bois. Ce sont des clous d'assemblage, donc quand il s'agit d'assembler plusieurs pièces de bois ou des ferrures sur des portes, des coffres, etc., on fait un avant-trou dans le bois. On fait traverser le clou entièrement, et de l'autre côté, on va replier la pointe pour qu'elle se replante dans le bois de l'autre côté. Voilà. Un peu comme on ferait avec des rivets ou des attaches parisiennes. Voilà, on replie les pointes pour tenir l'ensemble. Voilà. Tiens, monsieur. Maxence, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors, on t'a aperçu sur le festival au long de ces 2 jours à jouer un peu de flûte. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des flûtes ou ça s'appelle autrement? Oui, il paraît que j'étais sur le festival. J'en ai entendu parler aussi. Alors moi, je ne vais pas du tout jouer de flûte. En fait, ce sont les flûtes qui jouent de moi. Voilà. Donc ça se passe de cette manière en fait, hein, après avoir fait un bon gueuleton, hein, on rogne son os et puis ensuite on fait des petits trous dans son nonos et voici ce qui en ressort. Donc avec un nonos comme ça, eh bien, on fait chanter quoi? On fait chanter qui? On fait chanter les oiseaux du ciel. Ouais. C'est parti. Ah, je suis sûr que vous voulez que je vous en joue. Attention aux oreilles, méfiez-vous. Ouais. Avant tout... Je vous conseille une chose, c'est restez pas derrière vos écrans, mais passez de l'autre côté du miroir, passez de l'autre côté de l'écran, vous verrez, c'est encore plus sympa. Attention, c'est parti. One, two, 1, 2, 3, 4. Alors celle-là, c'est toi qui l'as fabriquée ? Non. C'est en fait un lutin de ma connaissance et qui réside dans un terrier quelque part au fond de l'Auvergne. C'est exactement. Alors qu'est-ce que tu as dans ta besace à nous montrer encore ? Des choses pas montrables et d'autres plus montrables. Par exemple ceci. Une,
corne de Minotaure, hein, n'est-ce pas, voilà, que je suis allé récupérer au cœur du labyrinthe. J'ai vu un géant qui buvait dans une corne identique. Oh, ils font des drôles de choses, ces géants. Moi, je fais que souffler dans les cornes. Bah, chacun son truc. Voilà, c'est ça. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Boire ou souffler. Voilà, c'est ça. Il faut choisir ou pas. En fait, on peut faire les deux aussi. Alors voilà, bah, on va boire quelques notes. Alors. Allons-y, avec plaisir. Ah, j'ai oublié. D'abord, ouais, on s'en sert comme ça. On se la plante dans le ventre, on tourne. Ça s'appelle un torboyau aussi. Au niveau du costume, quel est le style en fait? Quel costume? Alors pour toi c'est normal, mais pour nous on n'est pas habitué à ça. Alors je vous conseille une chose, c'est de prendre votre imagination, tout, absolument tout ce qui nourrit votre imaginaire, et cessez de croire que l'imaginaire est un sens réservé aux enfants, loin s'en faut. Donc allez puiser tout au fond de votre imaginaire, prenez absolument tout ce que vous aimez, tous les archétypes, tous les héros en fait qui ont partagé et influencé votre vie, vous mettez tout dans un grand shaker, vous remuez, voilà, et vous balancez tout, et vous avez un... Un Maxence des oiseaux. Vous avez un Maxence des oiseaux. Et vous pourrez avoir un vous-même, par exemple, si vous préférez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un Maxence des oiseaux. On peut avoir un tas d'autres choses. Chacun son prénom. Donc c'est pour ça qu'on voit plein de plumes, en fait, dans ce costume. Bah oui, je suis un emplumé. Je m'appelle Maxence des oiseaux. Donc je fais avec. La tête qui est au-dessus du chapeau. La tête, elle doit être... Quelle tête? Ah oui, bah ça c'était un lutin de mes connaissances. Mais il a vécu longtemps, mais un jour il a passé l'arme à gauche et il fallait bien un moment qu'il passe à autre chose aussi. Hein. Il était là déjà depuis au moins le Moyen-Âge. Enfin, bon, c'est une longue histoire, si je commence à vous raconter cette histoire, on y sera encore à la prochaine pleine lune. Christophe, bonjour. Bonjour. On te prend un petit peu entre deux balances et entre deux demandes pour l'organisation. Alors, tu es l'organisateur du festival Le Réveil des Elfes de Jaugeac. Voilà, c'est ça, que j'organise, pas tout seul, bien sûr, avec une jolie troupe de bénévoles et plein de gens. Et puis aussi en binôme avec Jean-François Distazo, un ami. Donc, on est deux à la tête de cette organisation, en fait. Voilà. Et puis, bah, je suis très heureux de voir tout ce monde-là. Et puis, ce rêve se réaliser, parce que ça fait 10 mois qu'on travaille dessus et que bah voilà, au début c'était dans la tête, et puis voilà, puis ça s'affine, ça s'affine, puis jusqu'au jour J, puis voilà, là c'est un rêve qui devient réalité et c'est magique. Voilà. Le thème les elfes, c'est quelque chose qui te travaille depuis un moment? Oui, c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps, et c'est surtout l'elfe. En fait, pour beaucoup de gens, l'elfe, c'est un personnage de légende, un personnage, on trouve ça dans Le Seigneur des Anneaux. Et puis pour beaucoup d'autres gens aussi, c'est l'elfe intérieur qui est en nous, c'est-à-dire l'être qu'on est en dehors de notre formatage, de notre programme. On est programmé, formaté, et si on retrouve notre individu, notre vrai individu avant tout ça, c'est un elfe. Bon. Le retour à l'imaginaire? Pas l'imaginaire, à notre l'autre côté du miroir. Vraie vie. Le vrai côté du miroir. Un petit peu les méthodes ancestrales et médiévales. Voilà, médiévales, ancestrales, oui, toutes ces choses un peu paganes, un peu... Oui, c'est ça. Et alors, la différence, on se posait la question, entre un elfe et un farfadet. Bah, les farfadets, en fait, c'est toute la famille des lutins, des fées, des gnomes, etc. Et l'elfe, c'est autre chose, en fait. Il a été un peu vulgarisé par Tolkien, qui en a fait aussi... un être quand même de lumière, parce qu'on voit bien que les elfes ils partent au pays de l'éternité et tout ça, mais c'est pas un farfadet l'elfe. L'elfe c'est vraiment notre nature profonde pour moi, vraiment ce qu'il y a au fond de notre être, notre véritable être. Tu nous conseilles de venir au festival en ayant un petit peu cette culture ou pas du tout, ou de venir comme ça tel qu'on est? Je pense que ce festival, chacun y prend ce qu'il a à prendre, voilà. Et j'espère que tout le monde trouve des choses à son goût, et voilà.
vie. À chacun son lit, à chacun sa merde. À chacun sa rue, à chacun son cul, à chacun son nerf. Jusqu'à ce que la police tape, que la milice frappe. Actualité, actualité, encore un bébé vendu au marché noir. Encore un été enchâssé, croisé noir. On n'a pas idée d'être aussi taré, mais quelque chose me rassure. Si l'on va droit dans le mur, je ne serai pas seul à me prendre dans la tous les boomerangs du monde. À chacun son ex, à chacun son sexe, chacun ses faiblesses. À chacun sa guerre, à chacun sa terre, à chacun son sexe. Le monsieur sur madame tape, et la police tape. Actualité, actualité, un glacier qui fond, un curé pédophile. Un volcan qui gronde, tsunami sur les îles. À chaque seconde, un enfant qui tombe, quelque chose me rassure. Si l'on va droit dans le mur, je ne serai pas seul. Du monde.
que vous avez à nous regarder comme ça? Mais on n'est pas des bêtes de foire. Hein? Eh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez là devant vous le dernier rebelle de la création. Désormais, j'en suis intimement convaincu. Je suis un vrai rebelle, moi. Il en fallait un, eh bien, c'est moi. Désormais, je suis un produit antimite primaire. Et non un de ces provocateurs d'État fabriqués par la censure. Je suis un vrai rebelle, moi. Une espèce d'agitateur. Attention, un agitateur n'est pas forcément un branleur. De nos jours, il est dans l'air du temps de combattre la violence, alors que celle-ci a toujours existé, quand on sait que même des statues ont été érigées à la gloire de nos personnages mythiques, qui, soit dit en passant, n'étaient pas les derniers à foutre la merde sur la planète. Aussi vous parlerai-je de ce petit corse au nez aquilin qui mettait sa petite main dans son pantalon histoire de réchauffer sa libido tout en jouissant de voir ses grognards se faire étriper au rayon d'une savante boucherie que ce stratège nain avait concoctée avec amour. Je n'ose même pas vous parler de cette pucelle allumée qui s'immola par le feu histoire de figurer en bonne place parmi les saints du calendrier des postes. Mais pourquoi ne mettrais-je pas le doigt sur ce personnage gadget, haut en couleur, qui se fit crucifier par les chiens, et qui, avant de rendre l'âme, s'offrit le luxe d'avaler le seul plan du cadastre prouvant l'existence de la Palestine? Jésus, t'es chié! Puis une croix, c'est pas donné, hein? Bon. Pourquoi passerai-je sous silence les extravagances ravageuses de cette blondasse hollywoodienne, vicieuse, platinée, qui entre deux navets passa le plus clair de sa sombre vie à branler les Kennedy et à sucer Yves Montand? Et pendant ce temps-là, on ne parle jamais, au grand jamais, de l'inventeur de la pince à linge, de l'épingle à nourrice, du velcro ou du couteau à ouvrir les huîtres. Une foule de personnages qui mériteraient un monument, comme ce jeune Jacob de Lafont, qui sauva toute une humanité en panne d'aisance. Tout petit déjà au lycée, il était premier en version latrine. Il avait senti la chose. Aussi vais-je avoir l'immense plaisir de vous interpréter Mémoire de Jacob de Lafont. Ou pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Souvenir d'une cuvette pêchette. Ça fait bien longtemps.
sans papier. Des trucs qui nagent dans l'eau. J'ai passé ma vie au fond d'un trou. Sans jamais voir le soleil. C'était pour vous deux chansons du premier album qui est sorti en 2001 et en pour titre Le Jouet. Depuis, il y a eu Le Bruit des Humains pour ceux qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, je tout de suite vous rassure, il y en a à vendre là-bas. Et peu de com' ne fait jamais de mal. Je vais vous interpréter Botticelli Sérénade, suivi de La Tisane de Verlaine. Yeah.
Stand by on it, la
suis un homme, un vrai, avec des couilles. Mais qu'est-ce qu'un homme? D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi l'on disait le dictionnaire Larousse et la chicorée Leroux. C'est ambigu, ou pas? Homme, je suis un homme, mais qu'est-ce qu'un homme? Homme, du latin homo, être doué d'intelligence et d'un langage articulé, rangé parmi les mammifères de l'ordre des primates, est caractérisé par un cerveau volumineux, sa station verticale et ses mains préhensiles. Eh oui, nous avons des mains préhensiles. Bandinia. Préhensile, qui a la possibilité de saisir. Exemple, singe à queue préhensile. Là, je ne saisis plus très bien. Je suis un homme, un préhensile, cerveau volumineux. Je suis un homme, station verticale, mammifère intelligent. Je suis un homme, un être vivant, intelligent. Et la femme dans tout ça? La femme. Oh, divine machination! Considérant que dans nos contrées civilisées, la roue de bicyclette est plus souvent voilée que la femme et que l'homme descend plus souvent du train que du singe, je puis vous assurer qu'il est plus fréquent de rencontrer une femme dans la rue plutôt qu'un dromadaire, étant donné que ce dernier n'a qu'une bosse. Ah, j'entends déjà les machos proutés de plaisir. Ô sainte Vierge, compagne de cavale, bien calée dans notre cuistre de nos chaleurs Arizona. Ô sainte Vierge, pliez pour nous pauvres baiseurs, nous les machos, les pornographes, les obsédés du clitoris, de Clermont-Ferrand à Volvic, ainsi piaillait Sarah Fouchtra, violée de nuit par un bougnat. Mais tout ça, c'est de la faute à Nietzsche. Tous des Nietzschiens. Puis d'abord, qu'est-ce qu'une femme? Femme, femme du latin femina, adulte du sexe féminin. Autre définition, épouse, bonne femme, voire bonhomme. Vulgue, avec un point, femme de ménage. Et pourquoi pas, femme de ménage? Apparemment, il n'est pas question d'intelligence et de cerveau volumineux. Et pourtant, c'est beau, une femme. C'est beau, disait le poète. Et quand on s'oublie dans son sexe, c'est trop souvent un trou de mémoire. Quand on plonge dans ses yeux, ça vous mouille jusqu'aux lèvres, ça éclabousse le cœur, ça dégouline, ça gicle partout. Une femme, ça se mérite. Une femme, ça se respecte. Et quand je pense à ces élections de Miss France, super chérie, rassemblement des croupes devant les caquets libidineux d'un jury fort molle, en vieux beau gris grisonnant, en céphalo-crasseux, fixé sur les pauvres guiboles de pétasses inconscientes, antichambres poireuses et stériles, ben quand ils souffrent que... Non, non et non, une femme c'est pas ça, une femme c'est l'accent circonflexe sur le ouh. Le point d'exclamation en fin de phase. La femme, c'est la gousse d'ail dans la cocoyotte, la glace dans les profiteroles. Alors pour les profiteroles, veillez à ce que le chocolat soit servi bouillant sur les choux, sinon c'est la merde, hein. Ah, moi j'en ai connu des femmes célèbres, souvenez-vous. Il sentait bon le croissant chaud, mon dictionnaire chantait Edith Piaf avant d'être emporté par le fioul. Ça, c'était une femme, ah ouais. Non, si je devais écrire la définition de la femme, ça donnerait ceci. Femme, du latin femina, on ne peut pas l'éviter. Être câlin et intelligent. Ou plutôt non, plus être humain, câlin, intelligent, sensible, doué d'un langage divin de fellation contrôlée, rangé parmi les mammifères, les courses, ça les épate, est caractérisé par un cerveau très lumineux en période de fête, sa station verticale pour le shopping, thermale pour les varices, horizontale après la douche et à genoux. C'est l'heure de ses mains préhensiles qui ont la possibilité de saisir la queue de l'homme qui, elle, n'est pas préhensile comme celle du singe. Merci beaucoup.
Vous seriez gentil, parce que ça nous gêne vraiment quand on fait des sketchs ou tout ça. C'est très joli, les flûtes et les harpes, mais c'est très disturbant. Voilà, c'était pour nous aider à faire notre spectacle. Après, on ne vous embête plus, vous pourrez jouer tant que vous voulez. Merci. Je suis désolé de vous ennuyer. Est-ce que les harpes et flûtes qu'il y a là-bas, les elfes, pouvaient se les coller dans le fion? Merci. Passons à autre chose. Le sage descend de l'arbre. Le singe descend de l'arbre et l'homme descend de la femme, non pas parce qu'il la monte, mais parce qu'il en est le fruit. Donc, la femme est un arbre.
crochet ricoche à la surface de l'eau. Elle dessine les grands oiseaux, les ricochets toujours plus haut. Elle dessine les ronds dans l'eau. Ricoche, ricoche à la surface de l'eau. Son fiancé.
là-bas, il y avait né, plus qu'un mamelon, plus qu'un gros nez, qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qu'il fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi. Il se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, et qu'on trouve matin dans l'église, qui au pire aide, comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques. Et puis qui balbutie, et Calais qui dit va. Vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, non, on ne pense pas, on prie.
Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Je veux remercier toute l'équipe des Réveils des Elfes, tous les gens qui ont organisé tout cela pour la première fois. Et Dieu sait que c'est un gros travail, un immense travail de plein de bénévoles, de troubadours et tout ça. Et c'est un vrai bonheur de se retrouver en spectacle vivant au milieu de ces montagnes qui transportent tant de légendes et tant de choses. Voilà, merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Ce n'est pas terminé. Vous savez que
il y a encore beaucoup de choses à entendre, beaucoup de choses à manger, beaucoup de choses à boire. Et on peut applaudir très fort le réveil des elfes. Assez longtemps pour nous rêver.
Les amis, rien ne va plus dans la belle forêt de France. J'entends dire partout, nous sommes tous frênes. Pourtant, j'ai entendu crier les érables dehors. Il y a bien longtemps que les hêtres ne sont plus frênes, qu'ils ne vont plus au boulot avec autant de charme. Il faut dire que ces hêtres étaient peupliers aux ordres, en particulier sur les chaînes des Citroën, bien avant la conférence de l'Aïe. Alors on fit venir des érables qui paraît-il sont plus durs de la feuille, mais qui sont quand même des bois qui travaillent. On met les érables sur les chaînes et petit à petit on les vit derrière l'ébène, à ordures, histoire d'y voir plus clair. Et le temps passa. Les hêtres se retrouvèrent bien vite sans boulot. Ça, on peut pas le nier. Que faire? Il y avait bien des solutions, que les érables rentrent chez eux. Mais voilà, ce n'est jamais facile de demander à des arbres que l'on a déracinés d'aller se faire enraciner ailleurs. Surtout quand certains prétendent qu'ils sont protégés par l'Office national des forêts parce qu'ils se sont bien reproduits. Malgré tout, Pudin repartit chez lui un nœud dans le cœur, se fixer dans d'autres branches. Et pendant ce temps-là, les hêtres pointaient au chômage pour se faire un peu de blé. D'autres préféraient les chiffonniers des maïs. Rien ne va plus dans cette belle forêt de France. Où est passé le temps quand, pendant la dernière guerre, ils étaient tous frênes devant l'ennemi, tandis que des aigles entiers passaient au-dessus de leur tête. Ah, tout est bien compliqué dans cette belle forêt de France. Les hêtres reprochent aux érables d'être venus manger leur pain. Mais elles sont les conifères, qu'elles fassent bien ce qu'elles veulent. C'est peut-être pour ça que la pine dorsale. Aussi, devant ce conflit permanent, beaucoup de hêtres, d'érables et d'autres se droguent. Et c'est ainsi que l'on trouve les arbres à cames en tête de tous les sondages. Ah, si seulement la belle forêt de France retrouvait tous ses charmes. Les hêtres, les érables, les ifs érables redeviendraient tous frêles. On ouvrirait la cajou aux oiseaux et personne ne serait plus jamais saoul. Mais sera-ce possible tant qu'il y aura des ormes? Partir.
partir, torcher le cul au firmament. Sont sur le clavier de Tristan et qu'il faut les monter. Ça va être un... Oui. On joue encore 2 heures et on arrête. C'est le dernier titre. C'est flatuler, c'est vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur. Flatuler, c'est vivre en paix. 2, 3, 4. Vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur. Vas-tu laisser vivre en paix? Je pense qu'on va y aller là. On s'en fait une discussion là. On doit déborder, on a dit du, on doit déborder. Attention. Ah ouais, c'est parti. Vas-tu laisser vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur. Vas-tu laisser vivre en paix? Flatuler, c'est vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur. Flatuler, c'est vivre en paix. Un peu de vent derrière, un arrière-goût de vent. Ne plus serrer les fesses, comme l'ont fait nos parents. Et prout, être à l'allée. Et prout, c'est ma prière. Vas-tu laisser vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur. Vas-tu laisser vivre en paix, encore une fois. Vas-tu laisser vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur. Vas-tu laisser vivre en paix. Ce qui est très pratique quand on a flatulé, c'est qu'on ne met pas la main comme quand on a rodé. Et prout, et tralala, et prout, pardonnez-moi. Hey! As-tu laissé vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur. As-tu laissé vivre en paix, encore une fois. As-tu laissé vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur. As-tu laissé vivre en paix. Un peu de vent l'été n'a jamais fait de mal. Sa douce mélopée chatouille les cigales. Cigales, ils chantent, cigales, ils pètent. On fait la fête, on fait la fête.
ainsi l'a voulu le Seigneur, là tu les es vivre en paix. One more time. Là tu les es vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur, là tu les es vivre en paix. Un peu devant, derrière, un arrière-goût de vent, un parfum de mystère, une odeur de couvent. Et poutre-poutre, tralala, et poutre-poutre, et puis s'en va, et puis s'en va. Ah! Là tu laissais vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur, là tu laissais vivre en paix. Là tu laissais vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur, là tu laissais vivre en paix. Souvent l'on se demande pourquoi donc le PQ, sûrement pour que les sourds en profitent un peu plus. Et pour des proutes, et tralala, et pour des proutes, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Là tu laisses vivre en paix, parce qu'il a voulu le Seigneur, là tu laisses vivre en paix. One more time. Là tu laisses vivre en paix, parce qu'il a voulu le Seigneur, là tu laisses vivre. Si n'ose pas prier, de peur que l'on s'enlise. On doute, on n'est pas convaincu, c'est à péter pour un rendu. Et peut-être, peut-être, tralala, et peut-être, peut-être, puis s'en va, et puis s'en va. Là tu laisses vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur. Là tu laisses vivre en paix. Amen, sous sa main. Là tu laisses vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur. Là tu laisses vivre en paix. All together. Là tu laisses vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur. Tu laisses vivre en paix.